déranger? Ah, mais pas du tout! Les 68, c'est par où? C'est par là-bas. C'est situé entre le 67 et le 69. Merci, monsieur. À propos, jeune homme, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir me déranger. D'ailleurs, vous ne me dérangerez pas du tout. J'habite au 96. C'est le 69 à l'envers. Il est tout à fait naturel que nous nous rendions service. C'est là, là-bas, regarde. Tu crois que tu vas perdre des coups de soleil. Alors pour toi, ça va être très simple. Avant de dire quoi que ce soit, tu prends de la crème solaire, hein. Et tu lui enduis son dos comme ça, hein. Comme il ferait ton père, comme ça, exactement, hein. Comme ça, hein. Tiens, vas-y, go. Vas-y, pense. Go, go. Alors, on bronze? Vous savez que vous avez une peau... une peau très douce. Où pourrais-je vous retrouver tout à l'heure? À mon salon de coiffure dans une heure. Juste le temps de me faire une petite beauté. Papa! Il y a une soirée au casino. Mais je croyais que tu n'aimais pas ça. Mais justement, on est venu là pour se marrer, non? Mais dis-toi, chérie. T'es toute chic ce soir. T'es belle, tu sais, tu me plais. Oh, c'est parce que c'est... Brasse-moi. Pardon? Brasse-moi. Pardon? Aïe. Mais t'as mordu l'oreille! Ça, c'est sans problème. Oh, ça, c'est... Oui. Alors, tu passes la nuit? Je ne passe pas la nuit. Je n'ai pas l'intention de passer la nuit sous la table. On m'a fait tomber mes jetons. Il faut bien que je les ramasse. Trois jetons. Je suis pas cher. Alors, tu me rejoins tout de suite dans mon bungalow ou sur la plage. À tout de suite, mon minou. Enfin, un nouveau qui a de la classe. Quel nouveau? Là-bas, sur la plage, très chic, très élégant. C'est tout droit, tu peux pas le rater. Ben, où ça? Là-bas, là. Ah, oui, d'accord, j'y vais. Hein? Ciao, bonne journée. Oh, cri-cri. Quoi encore? Tâche de me l'envoyer au salon, parce que moi non plus, je voudrais pas le rater. Tu peux compter sur moi. Je sens qu'on va s'entendre comme Laronne en foire. Il est à moi. Tu sais, faut pas écouter tout ce qu'il te raconte. Hein. Ce sont des grandes jalouses. M'oublie une seconde, tu veux, mon patron va s'imaginer des choses avec toi. Mon bras, il va me foutre à la porte. Comment te foutre à la porte? Mais t'y es pas du tout, mon minou. Je te laisserai jamais à la rue. Je t'engagerai comme shampouineuse. La mienne, la seule main innocente ici, c'est la mienne. On a dit une main innocente. Tu le sais très bien, vieux et gris. Oh, qu'il est méchant. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu prends un papier. Je prends un papier, je tire au hasard. Ouh, c'est... Famille Gomez? Mais non, Gomez! Ami Alfred et sa famille qui ont bénéficié de cette semaine supplémentaire de rêve! On les applaudit bien fort!